lorsqu'il mouille sur les déchets dans un lieu d'enfouissement, il y a un gros liquide dégueulasse qui s'en dégage puis qui se répand dans l'environnement. Qu'est-ce que t'as mis dans ton thé, hein? Les cellules d'enfouissement comportent une double imperméabilisation, c'est-à-dire deux géomembranes qui nous assurent une étanchéité à long terme. Ah, OK! J'avais entendu parler d'un tunnel aussi. En plus, il y a un tunnel sous le site qui donne accès au drain qui recueille le lixiviat et qui nous permet de détecter une fuite éventuelle et suivre la qualité des eaux souterraines. Le lixiviat. En fait, le lixiviat est le liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers un matériau. Et pour sa part, il est traité avant d'être rejeté. Ah ouais, je sais quoi, ouais. Hey, moi aussi j'en veux!